Hello and welcome to the very first ever Sister Summit. We are very, very excited to have you all here with us today to work towards reducing the a bit bigger than we want it to be gender gap in the tech industry. I am Amy Lewin, the editor of Sifted, and I am going to be your MC for today's exciting program. So you are going to be seeing a lot of me up here today. I apologize in advance. We are very lucky to be surrounded by so many talented and ambitious people who are shaping and shaking up the tech industry. We've got some amazing content lined up for you, fireside chats and panels that will hopefully challenge and broaden your horizons, and some time for Q&As to allow you to pick the brains of our amazing speakers. Now I have to give you some instructions. We have some amazing speakers, so let's please respect them and not do too much chattering around there because it's a little bit distracting when you're on stage. There will be lots of networking breaks, so plenty of time for you all to meet each other. Today, some of the panels will be in French, so I will be practicing my French on the sidelines, FYI. And now, enough about me, let me introduce the wonderful sister co-founder, Tatiana Jama, and the serial entrepreneur, Céline Lazor, who are about to take to the stage. Thank you so much for being here today for the very first Sister Summit. Back in 2018, we had a simple idea: shed light on the huge funding gap. Since then, our mission has been crystal clear: bring together men and women, venture capitalists and startups, to move forward together. Fast forward 5 years, and we are overwhelmed by what we have achieved. We haven't just moved the lines, we have built a powerhouse. Thanks to each and every one of you. Our history took its roots in Paris, so we are going to continue this speech in French. Grand moment de solitude, merci. Entreprendre répond à toutes les soifs de sens et d'aventure. Explorer l'inconnu, créer un monde, vivre l'ivresse d'une victoire, nous avons eu cette chance avec Céline en tant qu'entrepreneur et cela a démarré dès 2008 sur les bancs d'une école de commerce. Pardon, j'ai mon mégaphone qui fait du bruit. 10 ans plus tard, en 2018, après avoir vendu nos premières boîtes et investi dans celles de d'autres entrepreneurs, souvent des femmes et quand même parfois des hommes, on a fait le terrible constat avec Tatiana que nos parcours, ils faisaient presque figure d'exception. Et si les femmes entrepreneurs n'avaient pas les mêmes possibilités et les mêmes droits que les hommes entrepreneurs en matière de financement. Ce feeling, il était évidemment hyper désagréable et on s'est dit, on ne peut pas rester juste sur un sentiment. Tatiana m'a dit, il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Wouh ! Alors moi, je me suis exécutée, j'ai pris un fichier Excel et pendant des heures, j'avais rien d'autre à faire, j'étais enceinte jusqu'aux dents comme ça, donc j'ai posé l'ordi sur mon ventre et j'ai compté chaque ligne de chaque VC français que j'ai saisi dans mon fichier Excel pour savoir si c'était des boîtes créées par des femmes, des hommes ou des équipes mixtes. Et bien sûr, j'en suis arrivée à ce terrible constat que vous connaissez, seulement 2% de l'argent du capital risque français en 2018 allait aux femmes entrepreneurs. Quand pourtant elles représentaient à peu près, elles étaient à peu près 5 à 6 fois plus nombreuses. Donc une vraie inégalité, tout à fait inacceptable. Dans chaque grand combat, il y a malgré tout de très grandes rencontres. Et c'est Mounir Majoubi qui a mis sur notre chemin un petit groupe de femmes exceptionnelles qui étaient et sont pour nous des rôles modèles et nous ont montré le chemin.
Bien sûr, je veux parler de Mercedes Herrera, Stéphane Pallez, Anne Laloux, Nathalie Bala, Françoise Mercadal de la Salle et Brigitte Grézy, que je vois ici devant nous. Merci à vous toutes de nous avoir montré le chemin. Je crois que le Sista Power, il est né ce jour-là. Notre première action, c'est bien sûr la signature de la charte Sista. En 2019, 200 VC européens se sont engagés à ce que 25% d'équipes féminines ou mixtes soient financées d'ici à 2025. C'est un pari ambitieux et cette charte, elle n'aurait jamais vu le jour sans le grain de folie et de talent de Valentine Delastéry. Merci. Et évidemment, le soutien indéfectible de Cédric O, alors ministre du Numérique. Je l'ai vu par là. Merci à vous deux. Et puis, mon petit fichier Excel, que je remplissais ligne à ligne, est devenu un baromètre européen, publié chaque année depuis 4 ans, qui fait l'état de l'art du financement des femmes, des hommes et des équipes mixtes entrepreneurs, depuis 4 ans, grâce à notre partenariat avec le BCG. Aujourd'hui, chez Sista, nous avons 3 piliers, 3 inébranlables piliers. Une communauté d'entrepreneurs, que nous accompagnons pour grandir, s'épanouir et aller chercher des fonds. Une communauté d'investisseurs qui savent que les entrepreneurs n'ont pas besoin qu'on leur tende la main, mais plutôt qu'on leur donne les ressources nécessaires pour accomplir leur vision. Et un pôle qui se concentre sur la data pour en exploiter le potentiel. Mais Sista, c'est aussi et surtout une communauté de cœur, plus de 30 bénévoles, 15 board members, une équipe exceptionnelle dirigée par une femme exceptionnelle, Alexia Reis. Bonjour à toutes et tous, merci d'être ici. Chère Céline, chère Tatiana, merci pour votre confiance. Sista, en effet, c'est avant tout des communautés, donc nos communautés d'entrepreneurs, nos communautés d'investisseurs, et c'est aussi des chiffres que je vais partager avec vous. Aujourd'hui, Sista, c'est plus de 80 femmes entrepreneurs accompagnées dans leur parcours de financement depuis 2 ans. Sista, c'est aussi plus de 120 millions d'euros levés par ces femmes entrepreneurs sur la dernière année et demie. Ce chiffre vient de tout juste passer la barre des 120 millions depuis la levée de fonds de Yosra, je ne sais pas si elle est ici, mais bravo, qui vient de Yosra lever 5 millions. Et c'était hier. Ces chiffres, on a l'espoir vraiment de les faire bouger tous les jours. Sista, c'est aussi 30 fonds d'investissement qui, au-delà de tous ceux qui ont signé la charte d'investisseurs, s'engagent aux côtés de nous tous les jours pour repenser et remettre en question leurs problématiques d'investissement. Repenser un investissement plus paritaire. Sista, c'est nos campagnes de communication, celles aux plus de 15 millions de vues. C'est celles dans lesquelles on met les hommes et les femmes au regard de leurs stéréotypes en valeur, où vraiment on se rend compte ce que c'est de mettre une femme à la place d'un homme et vice-versa. Maintenant, Sista, c'est aussi des espoirs pour l'avenir que nous allons vous partager. So let's switch to English. As an entrepreneur, I wish to all my sisters to have full access to money because as of today, cash is queen. As an ecosystem partner, I just and truly believe in a more gender-balanced and diversified ecosystem. As a newly female investor, we need more female investors. Sista Fund is leading by example, but our ambition is to be one day one in many. We are going to reshape the investment landscape. If you are here today, it is because you have been key to the Sista adventure. And for all, thank you very much. Huge thank you and enjoy the Sista Summit.